Bonjour tout le monde, et bien voilà, on se retrouve pour découvrir donc la Birchbox et la Glossybox du mois de décembre. Comment vous dire que rien que le packaging déjà c'est magnifique, donc je voulais vous présenter. Donc la Birchbox se présente comme ceci, donc toute petite, mais de ce que j'ai pu voir comme ça, en fait c'est une ouverture, c'est comme une boîte avec un petit pochon à l'intérieur. Donc ça fait très sympa, enfin ça fait petite boîte avec petite boîte précieuse et la Glossybox, mais d'une couleur, je vous raconte pas, voilà, un bleu roi magnifique avec des petites étoiles sur les côtés et une jolie, jolie phrase en dessous. Voilà, un Noël impérial, donc je pense que vu la couleur bleu roi, voilà, je pense que ça doit avoir un lien, mais elle est magnifique, bleu roi c'est une de mes couleurs préférées, voilà, et ça c'est fait, et celle-ci, bah voilà, je la trouve sympa. Donc on va commencer par la Birchbox, tant qu'à faire, et puis après on continuera par la Glossybox, donc c'est parti. Donc on ouvre la petite boîte. Donc voilà, elle se présente comme ça. Et donc à l'intérieur, nous avons un petit pochon avec marqué Birchbox dessus. Donc ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de pochon. Hein. Il y a eu une période où on en avait à chaque fois des petits pochons et qui étaient plutôt pratiques. Et donc là, de nouveau, le petit pochon. Donc je vais piocher et puis on va voir ce que l'on a. Donc en dehors du carton, du coup, on avait le petit fascicule avec les produits à l'intérieur. Donc on verra. Donc je vais prendre, alors première chose que je prends c'est de la marque Sabot, donc j'avais déjà eu une crème hydratante la marque Sabot et là c'est encore une lotion pour le corps au jasmin. Alors l'autre moi je me souviens plus de ce que c'était comme parfum mais j'avais adoré. Donc là ça sent bon le jasmin et de mon souvenir c'était une crème hydratante qui était hyper efficace, donc je suis plutôt contente. Donc voilà, une bonne marque, un bon format en plus, hein, donc 40 ml. Donc pareil, comme d'habitude, je vous remettrai par ici ou par ici, tout dépend de la place que j'aurai, mettrai le prix de revient du coup de chaque box. Ensuite, nous avons... Ah oui, ça j'avais à choisir, donc en fait c'est un crayon pour les lèvres et de la marque Locke. Donc c'est Love of Color. Et donc du coup, moi j'ai choisi cette teinte-là, qui est une teinte un petit peu peps comme ça. C'est le Punchline. Donc je vais essayer de vous le swatcher. Voilà. Donc c'est un rose assez, assez pétant, mais je me suis dit avec des lèvres, moi j'ai les lèvres assez, assez rouges déjà de base. Donc du coup, avec ça, ça peut juste rehausser. Et en petit stick comme ça, un petit crayon. Donc voilà, je ne vous ai même pas montré. Voilà, c'est un petit crayon. Donc hyper pratique. Donc voilà. Ensuite, nous avons encore un crayon de la marque Siete London. Ah, tiens, ça me rappelle mon calendrier de l'avant. D'ailleurs, petite aparté, si vous souhaitez voir les ouvertures de mes calendriers de l'avant, je fais une vidéo tous les jours de mes ouvertures, de mes calendriers de l'avant, plus ceux de mon petit garçon hein, qui a deux calendriers de l'avant Playmobil. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir mes petits vlogmas et puis me dire ce que vous en pensez. Bref, aparté fini. Donc c'est un crayon eyeliner. Je ne porte pas de eyeliner, mais ça a l'air d'être un crayon noir, donc je ne vais pas l'ouvrir parce que je ne vais pas l'utiliser. Donc je préférerais le garder comme ça et donc l'offrir à une personne de mon entourage qui en aura plus d'utilité que moi. Donc bon, c'est pas. Après voilà, pour l'instant, une crème, voilà, une box de Noël, c'est pas. Ça ne veut pas rêver, mais bon. Ensuite, nous avons, oh, trop bien, donc là, c'est la crème véritable de Laponie, donc une crème visage de la marque Polar. Comme vous savez, je suis juste en amour de cette marque pour les crèmes visage, surtout celle de nuit, mais celle de jour, je suis hyper ravie, je suis hyper contente de l'avoir. Je l'ai déjà eue plusieurs fois, mais je suis vraiment contente de l'avoir parce que c'est une crème qui coûte extrêmement cher. Donc là, voilà, je l'ai encore 25 ml, il y a de quoi tenir au moins 2-3 mois avec ça. Même plus 3 mois avec ce genre de format. Et je suis contente. Bon, même si c'est pas une découverte, mais voilà, bon produit en plus. Elle est dans le thème, hein, dans le thème de Noël. Donc voilà. Et donc, dernier produit, c'est ça. C'est une huile pour cheveux. Je suis pas emballée. Hein. Roufludo. Voilà, une petite huile. Une petite huile pour les cheveux.
Ouais, je suis pas, ouais, ça me fait pas rêver, hein. Donc voilà le contenu de la Birchbox. Comment vous dire que là, pour l'instant, c'est pas. Je suis contente d'avoir ce produit-là. Celui-là, je l'ai choisi. Mais alors le reste, ouais, enfin, ça reste des crèmes. Je sais pas, ça me fait pas rêver pour Noël. Bon, nous allons voir maintenant la Glossy Box. Donc la Glossy Box, la voici. Elle est juste trop trop belle. Le petit menu. Avec le petit magazine toujours. Nous avions des petits flyers. Donc voilà. Nous avons une petite réduction pour My Jolly Candle. Ok, aurait-on une petite bougie dedans? Et donc 10 euros, moins de 10 euros. 10% sur Zalando. Et donc voilà, nous avons le papier avec un papier argenté. Vraiment le petit flot bleu que je vais garder. Vraiment, j'adore cette couleur, j'adore cette couleur. Oh, plutôt bien fourni. Donc c'est parti. On va commencer par le pinceau. Je pense que c'est le cadeau. Donc nous avons un pinceau crayon. Donc ça c'est hyper pratique pour le creux de paupière. Donc ça un petit pinceau crayon. Je trouve ça plutôt chouette. Je suis contente moi d'avoir des pinceaux. Ça m'évite de les acheter. Oh, et c'est un Jellicious. Donc c'est le Jellicious 631, donc Jellicious, c'est une youtubeuse à la base, c'est la meilleure amie de Sananas. Donc du coup, elle a fait sa propre gamme de produits, etc. Du coup, bah, là, on a un pinceau de Jellicious. Ah, je trouve ça rigolo, c'est fun, ah, c'est rigolo. Donc j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons un petit format de shampoing sec Go Pretty. Donc, je ne connais pas. Donc, voilà, hyper pratique ce petit format aussi. Comme je vous dis, moi, je l'utilise de temps en temps. Donc, du coup, moi, j'aime bien tester. Je trouve ça plutôt efficace et pratique. Donc, voilà, fraîcheur et volume, celui-ci. Ensuite, nous avons Coslys. Oh, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu cette marque-là. Donc, c'est un gel nourrissant sur gras. D'accord, au chevrefeuille. Au chèvrefeuille, pardon, chèvrefeuille, au chèvrefeuille bio. Donc voilà, un petit format, 50 ml, de quoi tester ou voilà. Ça sent vraiment chèvrefeuille, ça sent bon, j'aime beaucoup cette odeur. Du coup, bah, hâte de tester ce petit gel douche. On prend les choses à la fin. Donc, je fais mon tri. Donc là, Théorie des volcans Paris. Je ne connais pas du tout cette marque. Donc là, c'est un masque exfoliant, pardon. Tome 1. Donc apparemment, il y a plusieurs gammes dans ce produit. Ça fait assez jeune, je trouve. Ouais. Le packaging est assez hardcore, un peu hard, comme ça, toutes les couleurs tachetées. Je trouve ça plutôt sympa. Donc c'est la Théorie des volcans et donc c'est un masque exfoliant. Donc à tester. J'aime beaucoup ce genre de produit, moi. Donc, ensuite, je regarde s'il n'y en a pas d'autres, mais nous avons un mini melted. Et comment vous dire que ça, c'est chouette. En plus, ce format-là, franchement, c'est top, hein. Moi, j'en ai deux autres que j'avais achetés en grand format, mais d'ici de les utiliser, d'ici qu'ils soient vides, ça sert à rien de les avoir en grand format. Donc, je suis plutôt contente. Et là, donc, c'était la collection chocolate. J'en avais acheté aucun, finalement. Donc, là, nous avons le chocolate. Donc ça a l'air d'être, je pense que c'est un chocolat très clair. Donc voilà, on va essayer d'amorcer un petit peu la pompe, hein, parce que du coup vous voyez qu'il est vide. Oui, c'est une couleur marronnée. Plutôt sympa, j'aime beaucoup les melted, donc franchement je suis hyper contente d'avoir ce produit-là. Ça, je trouve ça hyper chouette. Donc voilà, ça va changer hein, de celui d'à côté, hein, ça c'est sûr. Mais bon, de temps en temps, c'est bien de changer. Et dernier produit, donc du coup, nous avons une petite bougie My Jolly Candle avec Glossy Box. Donc elle est toute mimi, mais elle est toute mignonne. Donc une bougie dans un bijou dans chaque bougie. Donc normalement, voilà, il y a toujours un petit bijou dans la bougie. Et donc là, ben là je crois pas qu'il y ait de bougie, hein, qu'il y ait de bijoux dedans. De ce que je peux voir, donc elle est toute mignonne. Mais ouais, c'est dommage par contre parce que
En plus, c'est marqué hein, un bijou dans chaque bougie, mais dans celle-ci, bah, il n'y a pas. Alors, c'est sûr qu'ils auraient peut-être pas pu offrir à tout le monde un bijou. Alors, je ne sais pas si tout le monde a reçu cette bougie, mais bah, c'est un peu le principe de cette marque. C'est que voilà, vous avez un bijou dans la bougie, et là, ils en font la promotion, mais il n'y a pas de bijou dedans. Donc, en fait, bah, je l'aurai, et puis voilà. Et puis, c'est pas pour ça que je rachèterai pour avoir un bijou, quoi. Oh, ah, j'aime pas du tout l'odeur, trop forte pour moi, ça sent un peu le patchouli, les épices, et pour moi c'est trop trop fort, j'aime pas du tout. C'est parfum nuit d'hiver. Donc je pense qu'il doit y avoir peut-être un mélange de patchouli, cannelle, etc. Pas du tout, ça va me donner mal à la tête cette odeur. Donc ouais, en plus un peu déçu par l'odeur. Donc voilà pour la Glossy Box. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais voilà, entre les deux, finalement je préfère largement la Glossy Box. Elle est, moi je l'aime beaucoup, voilà. Surtout pour ce produit Too Faced, hein, j'adore cette marque. Ça, sur le principe, c'était sympa. Dommage pour l'odeur qui est un peu particulière. Ils auraient peut-être dû choisir des odeurs plus neutres que celle-ci. Hein. Ah bah tiens, c'est marqué pas de bijoux dans cette bougie. Donc voilà, et bah, le gel douche sympa, tous les produits en fait me plaisent, donc plus le pinceau top. Donc nous avons 6 produits quand même, donc plutôt, enfin 6 produits, 6 articles dans cette box. Donc franchement la Glossy Box elle est vraiment top 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 par rapport à la Birch Box où bah, elle vend pas du rêve. Hein, donc la Glossy Box non plus, mais disons que voilà, il y a une bougie qui est au thème. On a un Too Faced dedans quand même, donc. Voilà, je trouve qu'un tout petit peu plus. Dites-moi, vous, ce que vous avez reçu dans votre Glossy Box ou votre Birch Box. Ça m'intéresse de savoir, je sais qu'elles sont différentes hein, d'une personne à une autre. Si une de ces deux box vous intéresse, je vous mets un lien de réduction juste en dessous de la vidéo, en barre d'information, vous avez des liens, des codes de réduction. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis, n'hésitez pas à me retrouver sur Facebook, Instagram. Tous les liens sont juste en dessous de la vidéo aussi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ce genre de vidéo vous plaît, et puis à vous abonner aussi à ma chaîne, hein. C'est gratuit, comme ça vous ne raterez aucune de mes prochaines ouvertures de box, de vlogmas, de vidéos favoris, enfin je fais un peu tout style de vidéos. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.